Bien chers amis de Rive 54, randonneuses et randonneurs, on a le plaisir de revenir dans la région de la Wavre, encore une fois. On avait quand même beaucoup bourlingué dans cette région, on a fait le Longeau, c'est une petite rivière, on a fait l'Iron, qu'on a retrouvé la source derrière cette montagne. Voilà, et aujourd'hui on va donc faire les villages sous les côtes. Alors pourquoi sous les côtes? C'est tout simple. Vous avez un village dans un creux de vallée et puis tout autour de vous, ce sont les côtes de Meuse, avec une verdure et puis des bois absolument magnifiques. Une première chose à vous annoncer avec plaisir, mon ami Romain m'a renseigné et donc mi-juillet jusque tout le mois d'août, la chaîne Mirabel TV, donc la chaîne 33 de la TNT, diffusera 36 de nos émissions. C'est quand même un sacré bonheur, hein, vous ne trouvez pas? Moi, je trouve que si. on va donc avancer un tout petit peu pour découvrir ce petit village de Viéville-sous-les-Côtes. Et quand on sera à l'intérieur, on vous en dira un tout petit peu plus. Première curiosité à Viéville-sous-les-Côtes, regardez, un passionné d'observation stellaire, il a composé un petit observatoire pour observer le ciel. Voilà, c'est une passion comme une autre. On en avait des bien plus grands en Belgique, hein, souviens-toi. Hein. Mais on était quand même déjà venu dans cet endroit et c'est vraiment une belle passion. Sur l'observation des étoiles et puis des astres, eh bien, vous regardez sur Internet et vous aurez le lien pour contacter le monsieur qui s'occupe de cet observatoire. Voilà, donc je reviens d'un séjour d'une semaine autour du lac d'Annecy, un merveilleux séjour, où j'ai eu la chance de rencontrer une brave jeune fille de Viéville-sous-les-Côtes. Sa maman est institutrice à Fresnes-en-Wavre. Et elle m'a confirmé que ce que l'on avait vu à Saint-Hilaire-en-Wavre et à Champlon, eh bien c'était bien des lavoirs. Vous savez, les maisons qu'on a cherchées, on a pris ça pour des trucs à écrevisses, des paniers pour les anguilles et tout ça. Non, c'était simplement des lavoirs. Alors bien sûr, l'explication, elle est toute simple. Au fur et à mesure que le niveau de l'eau montait, c'était cette manivelle qui permettait au panier qui était à l'intérieur du lavoir de monter et puis de mettre les lavandières au niveau des rivières. Alors dans ce petit village de Viéville, alors pourquoi Viéville? Viéville, c'est simplement vieille ville qui s'est transformée en Viéville. C'est un tout petit village meusien sous les côtes, hein, regardez autour de vous. Et puis déjà d'ici, vous avez des sentiers pédestres. Le Cugnot à 1h30 et puis Chipotel en 1h. C'est tous des circuits qui sont autour de Viéville. Et puis ce fameux premier lavoir, parce qu'il y en a deux à Viéville. Bonjour mesdames. Ah ben non, il n'y a pas de lavandière, c'est dommage. Alors ça, c'est le premier lavoir restauré, parce que c'est ce qui fait plaisir quand on est dans des petits villages de Meuse comme ça, de voir qu'il y a une restauration qui a été effectuée. Et que c'est vraiment très très joli et qu'on découvre comme ça le patrimoine des villages. On descend vers le centre du village et regardez ces bouquets de fleurs. Là, tout. Alors c'est plein d'épines, je ne sais pas, on dirait presque des églantiers, des églantines, j'en sais rien. Mais c'est beau, puis ça sent bon. C'est un peu comme quand j'étais en haut du Brévent, il y avait de la neige, là c'est de la neige fleurie. Voilà, on descend donc maintenant vers le village et puis regardez toutes ces belles petites maisons. J'avais même noté un petit truc, qu'il y avait des maisons du, je ne sais plus combien, Viéville, on trouve des maisons traditionnelles du 19e siècle. Voilà. Dans le centre du petit village de Viéville, eh bien, on rencontre donc un deuxième lavoir, mais qui servait à tout autre chose. Vous voyez, toute cette série de bassins, eh bien, c'était pour faire boire les chevaux à l'époque où ils travaillaient dans les champs. Et pour bien vous montrer que ça servait également pour les chevaux qui travaillaient, derrière, il y a ce qu'on appelle un égayoir. Alors, on va aller le voir. Il est juste derrière Voilà, ça c'est l'égayoir. Vous voyez les chevaux qui rentraient des champs, tout crottés avec les sabots plein de terre parce qu'ils avaient travaillé. Voilà, donc, et tout ça, ça a été rénové. Hein. C'est vraiment très très bien fait. C'est absolument joli. Alors, avant de descendre dans le bas du village de Viéville, on a encore repéré sur une petite colline un endroit qui doit être absolument superbe pour avoir des vues sur le village de Viéville.
Mais voilà, bah ça recommence, hein. On croyait qu'on était tranquille. Vous croyez, vous, qu'on sera tranquille un jour? Jamais. On monte, on descend, on n'arrête pas de monter. Alors, on vient d'arriver à Marseille pour... Ah, pardon, c'est pas Marseille, c'est Notre-Dame-de-la-Garde. Alors, cette statue tout en haut du village de Vieilleville, sous les côtes, oh, je suis déjà essoufflé, il me fait monter les côtes, a été mise en place après la Deuxième Guerre mondiale, en Noël 1944, donc à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Elle s'est dédiée donc à la Notre-Dame-de-la-Garde pour avoir certainement libéré le village, on pense. Hein. Et puis maintenant, ben voilà, on retrouve devant nous cette immense plaine de la Oivre, avec le petit village de Vieilleville, et on va descendre tout en bas vers le dernier lavoir. Et on commence à apercevoir sur les collines des petites vignes. Parce qu'en 1900, ben, ça a été ravagé par le phylloxéra. Et puis tout le monde a replanté des arbres fruitiers dans les fonds de vallée. Mais il y a quelques vignerons qui commencent à revenir et puis qui commencent à s'implanter sur les côtes. À 1 km à peine du petit village de Vieilleville sous les côtes qu'on a vu là, il y a 1 km entre Vieilleville et Billy-sous-les-Côtes. Alors Billy-sous-les-Côtes, la renommée, ben, vous pouvez vous en apercevoir, ce sont quand même un petit peu les vignes. Hein, je vous ai expliqué au début, quand on a commencé dans le premier village, que toutes ces vignes, ben, ont été replantées beaucoup plus tard, avec la disparition en 1900 des vignobles ravagés par le phylloxéra. Eh bien, tout doucement, les gens reviennent à ces plantations. Mais regardez devant nous, hein, toute la plaine, ce sont tous des vergers, des mirabelliers et tout ça. Alors je vais vous dire une anecdote que j'ai trouvée quand même sur ce petit village de Billy. Une histoire ancienne disait, il paraîtrait qu'à Billy, avant leur microclimat, ils essayent les olives. Bon, on n'a pas vu beaucoup d'oliviers, mais c'est pas grave. Aujourd'hui encore, le village qui jouit d'un cadre pittoresque a gardé son microclimat réputé. C'est-à-dire que bah, ici, il fait toujours bon. Le village a été reconstruit à partir de 1920 suite au retrait des troupes allemandes qui ont brûlé le village. Voilà. Donc on va se rendre maintenant à l'intérieur du village de Billy-sous-les-Côtes. On est donc au niveau du milieu du petit village, hein, d'un calme absolument parfait. On entend même, tiens, même l'eau, on l'entend couler. Il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de bruit. C'est la place du Lavoir, tout simplement. Le même qu'à Vieilleville-sous-les-Côtes, c'est pareil. Et il y a quand même une anecdote que j'ai découverte également. Les anciens du village affirment de nos jours qu'une potion magique régionale entretenait la longévité des habitants de Billy. C'était donc cette potion magique, la soupe au lard, tout simplement. Car à l'époque, chaque famille élevait son cochon, tradition qui aujourd'hui a malheureusement disparu. C'est dommage, hein, parce que c'est bon le cochon. Dans le cochon, tout est bon. Dans le petit village de Saint-Maurice-sous-les-Côtes, donc on arrive ici dans l'impasse de la gare. Alors vous voyez, c'est bien marqué Saint-Maurice-sous-les-Côtes. Alors il faut dire que le train qui circulait entre Montmédy et Commercy à l'époque, et qu'on appelait le Taco, parcourait 126 km et malheureusement a été abandonné en 1938. Alors bien sûr, il a servi pendant la Première Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, autant les Français que les Allemands l'ont utilisé. Quand vous voyez cette rectitude là devant vous, eh bien c'était ce petit train qui partait donc, et qui longeait tout le bas des côtes de Meuse. Donc dans le centre du village de Saint-Maurice-sous-les-Côtes, après avoir un petit peu un aperçu de la gare, hein, elle n'était pas refaite comme ça avant. Ben, là aussi, toujours pareil, un abreuvoir pour les chevaux et puis ben, un lavoir pour les dames qui venaient laver leur linge ici dans le village. Ce que l'on peut dire, c'est que les vignes ont été remplacées à partir de 1880 par des vergers. Ce que je vous ai dit tout à l'heure quand on était à Billy-sous-les-Côtes, à cause du phylloxéra. Pendant une trentaine d'années, les vins de pays ont refait, depuis une trentaine d'années, les vins de pays ont refait leur apparition. En se baladant dans les petites rues de Saint-Maurice-sous-les-Côtes, on arrive encore une fois bah, devant une petite fontaine qui coule. Et on nous dit que l'eau est potable. Hein. Alors, bon, on ne va pas essayer parce que. Mais si elle est potable, elle doit être potable. Et puis elle est fraîche en attendant. Et juste en face de cette petite fontaine bah, se situe la municipalité de Saint-Maurice-sous-les-Côtes. Alors il faut savoir qu'en 1918, ce petit village a été bombardé par
les Français et les Américains pour le libérer. Il y a eu 3000 obus déversés quand même dans ce petit village. Mais regardez, il est reconstruit d'une façon absolument merveilleuse. Devant la mairie, une petite image. Et regardez, en 1900, ben, je crois que ça n'a pas beaucoup bougé. Hein. La fontaine, elle est juste là dans notre dos. L'église, elle est tout au fond. Ben, on vient de la filmer. Et puis c'est une photo de l'année 1900, le village. Vous voyez, quand on se balade dans les petits villages, ben, on trouve toujours des petites choses à découvrir. Par exemple, un jardin partagé. Participe présent, jardin partagé. Le Clausel, c'est un tout petit jardin, voilà, qui est pour tout le monde. Les gens viennent l'entretenir, viennent le nettoyer, et puis ben, chacun prend ce qu'il veut quand il récolte, quand il s'en occupe. Plus un hôtel à insectes. Ça, c'est bien aussi, c'est une merveilleuse initiative. Alors là, ben, toute une série. Le Pio Bazar à 400 mètres, la Boudeuse à 400 mètres, le Zinc des Côtes, la Mirabio, ça c'est de la pub, hein. Mais bon, c'est tout. Création fer et céramique, Nancy, 70 km, on n'est pas loin de Nancy, hein. 260 de Paris, Marianne et céramique, vidéo locale à 15 km, et puis l'échoppe à 10 km. On vient de quitter Saint-Maurice-sous-les-Côtes et un petit peu de repos, parce que ça, vous voyez un peu? Alors on dit les petits villages sous les côtes. Celui qui est en dessous de nous, c'est Thillot-sous-les-Côtes. C'est toutes les côtes, on va les faire jusqu'au bout, vous inquiétez pas. Alors donc, Thillot-sous-les-Côtes, et quand on voit un peu ce panorama devant nous, la plaine de la Woëvre, elle est quand même merveilleuse, hein, cette plaine. Et puis juste en face de nous, au niveau de Veules, le petit village que l'on voit dans le fond là-bas, bah, c'est la route qui va sur Pont-à-Mousson, Toul, etc., etc. C'est des paysages absolument magnifiques. Mais ça, c'est embêtant parce que ça monte tout le temps, et moi, il faut que je me repose à mon âge. Du sommet des bois où nous étions tout à l'heure, on est descendu dans le village de Thillot. Et là, on est sur la place de la mairie avec un monument aux morts. Bien sûr, toutes ces régions ont été impactées, en commençant par Combres, les Éparges et tout ça qui sont de l'autre côté. Et puis la place de la mairie de Thillot-sous-les-Côtes. Hein, je vous disais, quand on dit que c'est sous les côtes, c'est vraiment sous les côtes, hein, tous ces sommets. Parce qu'il faut descendre, où on est passé tout à l'heure. Hein. C'est pas de la rigolade. Hein. On vient de quitter le Thillot et maintenant on est sur une petite route qui nous emmène vers Annonville sous les côtes. On est toujours sous les côtes. Hein. Alors quand on dit sous les côtes, je le répète encore une fois, mais regardez, tous ces petits villages, ils sont tous construits en bas dans les vallées. C'est quand même merveilleux. On va quand même se diriger vers Annonville sous les côtes parce que je pense qu'il y a quand même. J'ai noté qu'il y avait un château et une belle église à voir, on verra bien. Hein. Mais il y a encore du chemin à faire. Hein. On y va à pied ou... Non. D'accord. Bon, bah, allez, on va y aller. On va y aller en voiture, ça ira plus vite. Mais c'est des vues magnifiques quand même ici. Hein. Nous sommes donc maintenant dans le village de Annonville-sous-les-Côtes. Et une des particularités du village, eh bien c'était association, l'écomusée de la Maison des Arts et des Traditions Rurales. C'est là que de temps en temps, Romain vient faire quelques émissions sur le jardinage. Parce que attention, il commence à cultiver du riz, des melons, de tout. Hein, il fait. Voilà, bon, c'est un petit clin d'œil à l'écomusée de Annonville-sous-les-Côtes. Une autre particularité de Annonville-sous-les-Côtes, c'est ce bâtiment. Alors, c'est un bâtiment, c'est la mairie d'Annonville, et en même temps que la mairie, ça sert également de bureau de poste. C'est pas commun, ça doit être un vieux bâtiment quand même, parce que quand on aperçoit la tourelle qui est sur le toit du bâtiment, c'est quand même un petit peu particulier. Nous sommes donc devant l'église Saint-Martin de Annonville-sous-les-Côtes. Et cette église a une particularité, c'est qu'elle a été décorée par l'artiste peintre Duilliot, si je ne me trompe pas, c'est bien ça, Duilliot. Et donc il a décoré un certain nombre d'églises dans la région. Avant de quitter Annonville-sous-les-Côtes, j'avais repéré donc sur les informations qui avait une petite chapelle. Effectivement, on a découvert cette petite chapelle, mais qui véritablement a l'air d'être totalement abandonnée. On n'a aucun renseignement nous disant de quelle date elle est, à quelle époque elle a été construite et pourquoi elle est à l'abandon. C'est tout. Mais la chapelle de Vigneul, Annonville, pardon, les côtes sous les côtes, oh là là, Annonville sous les côtes, voilà, voilà ce qui reste. On arrive donc maintenant sur Combres-sous-les-Côtes, un des derniers villages sous les côtes. Il y en a encore hein, quelques-uns, mais on ne va pas tous les faire. On n'arrivera jamais à 10h du soir, on sera toujours là. Donc ça, c'est Combres-sous-les-Côtes. Et quand on aura passé Combres-sous-les-Côtes, on vous fera
un aperçu de l'abri du Crown Prince de la Première Guerre mondiale, qui est dans un virage au-dessus de Combres en direction des Éparges. Bon, tu peux venir, Romain, je suis dans l'abri du Crown Prince, ils ont laissé de la bière et du pinard. Voyez, ça, c'est quand même un vestige de la Première Guerre mondiale. On l'avait déjà visité il y a quelques années, de nombreuses années, mais tout était dans la terre. Et finalement, ils ont tout retransformé. Regardez, ça a été creusé un peu partout. Ils ont réaménagé le site. Voilà, c'était un abri donc, de ce Crown Prince. Donc le fils de l'empereur, du Kaiser Wilhelm. On a donc fait plusieurs villages sous les côtes, tout le long des côtes de Meuse, hein, qu'on a fait jusqu'au niveau de la voie rapide, et on a traversé l'autoroute de Verdun. Et on est arrivé de l'autre côté de cette voie rapide, et on est maintenant à Romagne sous les côtes. C'est toujours sous les côtes, parce que ben, comme dans ces villages que l'on a fait auparavant, il y a des côtes. Donc on est dans le bas du village. On a donc un point de vue absolument magnifique, on a l'église derrière nous. On va aller voir quelques photos d'exposition que l'on m'a recommandé de dire et de voir. Donc on va finir ici à Romains-sous-les-Côtes. Alors les villages sous les côtes, ils continuent. Hein. Quand vous allez dans les Ardennes, du côté de Stenay et tout ça, il y a encore des villages sous les côtes. C'est pour ça, c'est quand même, je pense, une découverte absolument formidable qu'on a faite aujourd'hui. Des villages sous les côtes, il y en a. Hein. Voici donc quelques images de Romagne sous les côtes. C'est la rue de la mairie. Ce que l'on peut remarquer, regardez, ça c'est l'église, regardez le clocher. Il n'est pas du tout le même que celui de l'heure actuelle. Alors il faut dire que c'était Romagne avant-guerre. Voilà, donc cette deuxième image nous montre la rue avec l'église de Romagne sous les côtes. Et cette rotonde, c'était actuellement la fontaine. Avant, c'était l'arbre de la liberté. Ben, bien sûr, il a dû être lui aussi détruit pendant la guerre. Romagne après-guerre, la vie se reconstruit. Voilà, un premier mariage après la guerre. C'est quand même. Voilà, ben, la vie a repris, hein, parce que là aussi, il y a eu quand même beaucoup de dégâts sur Romagne, comme dans beaucoup de villages, hein, tous les villages sous les côtes que l'on a fait. Une dernière image de la reconstruction de Romagne après-guerre, vous voyez, hein. Eh ben, voilà, maintenant, on est dans un charmant petit village. Surtout avec le respect des traditions, puisque tout près d'ici, il y a quand même les vieux métiers d'Azagne. On va en parler parce que c'est bientôt qu'ils vont ouvrir avec bonheur. À bientôt et avec de nouvelles découvertes.